Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Bon visionnage! Ma lance a davantage de force. Le culte n'a aucune chance. Yes! Améliorer la lance de Denis et la forge d'Héphaïstos à l'aide de fragments d'artefacts. Ah oui, excellent. Ah là, lance. Alors niveau 2 sur 6. Ce qui reste de la son métal brille d'un pouvoir caché. Plus 6% de santé gagnée par unité d'adrénaline dépensée. Waouh, c'est pour ça que ça me soigne. Seconde adrénaline max 5. Rang d'aptitude max 2. Cool. Ok, mais attends. Je peux plus monter la muscle. Attends, mais. Donc là, ça a mis tous les fragments que j'ai déjà? Ou pas? Ah, parce que j'en ai deux à la base. Oh, vous allez tous mourir. Le sage est une personne très riche, le sage pratique le commerce maritime, et il est très très fort. On va buter un max de gens du culte. Ah, il y a plusieurs forges. D'accord, donc l'autre endroit où il y a aussi cette. Voilà qui va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici bien avant nous. Donc, si j'ai bien compris, l'autre endroit où il y a aussi ce petit sigle là, c'est peut-être un autre endroit que je. Léonidas connaissait cet endroit. C'est un peu noir là, je trouve. Donc, les Spartiates sont des assassins? Peut-être pas tous, mais est-ce que c'est les assassins qui les guident? Il faut qu'on parle! Il faut qu'on parle! Salut. Je vais tuer tous les membres de ton troupeau. Tu peux me barrer? Tu es facile à trouver. Tu m'as suivi. Tout va bien? Oh, Alexios, tu es vivant? Ne me touche pas. Allons, petit frère. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme de ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. Nous sommes frères et sœurs, et nous avons quitté Sparte en vie. Il m'a montré la vérité, oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Si c'est ce que tu crois, Alexios, tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas une menteuse comme toi. Et ne m'appelle pas Alexios. D'accord, Deimos. Mais lui, je ne le connais pas. C'est un demi-dieu. Vénéré et craint par le culte et par tout le monde grec. D'accord.
Dans ce cas, pourquoi obéir au culte? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, c'est moi qui le dirige. Alors prends une décision par toi-même. Retrouvons notre mère. Je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Retrouver Myrine, notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas la vie de tes amis. Elle est leur prochaine cible. S'il la cherche vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Quel connard! Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. D'accord. Si le culte nous cherche tous, une de ses cibles a disparu. J'ai tué Nikolaos. Alors oublie tes airs de justicière. En réalité, tu es comme moi. Je me moque de ce que tu penses, et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi ? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh, tu penses que l'amitié résout tout ? Qu'on devrait chercher notre mère, comme des enfants perdus ? Tu es trop faible. C'est quoi ces gestes ? Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité ? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Enlever ta propre mère ne lui suffit pas. Ce n'est pas un enlèvement, c'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ils paient pour cette erreur. D'accord. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. C'est pour ça que... Le culte a épargné Myrine, et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant, mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux. Alors ils pensent que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. Je relève le défi. Yes. Oh, Malaka. Hérodote ne va jamais le croire. Il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Yes. Hérodote, j'ai des trucs à te raconter. C'est cette fois, c'est moi qui va radoter. J'imagine même pas tout ce que je viens de faire. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi et de ma mère. Alors... Cette civilisation a existé. C'est ça. Cassandra, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Déimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action, il me l'a dit. Il va s'en prendre à nous. Ma famille, Périclès... Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à la Pnyx. Nous serons certains d'y trouver Périclès.
Yes, c'est parti. Allez, on va à la Pix. Saka, ton boss ! Ravi de te voir, capitaine. Yes. Où est la Pix ? Ok, donc ça c'est le membre du culte, on est tous contents. Ça, ça me saoule, je suis toujours obligé de le descendre. Alors, rejoindre l'attique. Et là, c'est quoi ? Ah, c'est améliorer sa lance collectée. Ah, bah voilà. Donc, pour la prochaine amélioration, il faut que je collecte un fragment de plus. Ok, là, c'est quoi ? Univers. J'ai encore 4 heures pour parler à la poétesse. Ça, c'est... J'ai le temps, et ça, j'ai le temps. Il faut que je parle à la démontrique, mais j'ai pas le niveau... Là, je pourrais éliminer les bateaux spartiates. J'ai 24 heures pour faire ça. Oh, ça a expiré. Et comment je fais pour enlever les trucs qui ont expiré? Mais j'aime bien parce que c'est marqué contrat expiré. Mais je peux pas l'annuler. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux quand même le faire? Ok, bon, soit. Et là, c'est quoi? Tuer tous les dirigeants spartiates, soif de sang. Et pour ça, j'ai 4 jours. J'ai pas pris de quête. J'ai lu toutes les quêtes, j'en ai pris aucune. Je suis... Mais là, j'ai que 4 heures pour faire ça, donc... 7000 ! Attends, il doit avoir un moyen d'y aller plus vite. Ah oui. Là. C'est un malice. Yes. La 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 li 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 la la. Ah, j'ai mis les statuettes. J'ai besoin de cuir, je suis désolé, hein, mais c'est la chasse. Le roi des aigles. D'accord. Ah oui, c'est vrai ça. Surtout. Par là. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait ça? Oh oh. Hey, mais on me tire dessus. Hey. Hey.
Alors, là, franchement, moi, je voulais juste passer à côté. Je me suis fait attaquer par un ours. Mais là, c'en est trop. Là, ils m'ont attaqué. Ça m'a énervé. La garde sera vigilante ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? D'accord. Là, on a une tablette, c'est bien, c'est bien. Tablette, deux trésors, le chef. On a tout ce qu'il faut. Pourquoi que ça marche pas? J'appuie sur le mauvais bouton. Maintenant. Encore un, putain. Au. Ça va marcher. Tu devrais déjà être crevé. Ouais, mes gars. Ah. La mort se rapproche, mercenaire. Tu vas te décider à mourir, oui. Ah merde. Hé, j'ai paré. J'étais dans en mode parage. J'étais en mode parade. Putain, c'est pas juste, j'en ai marre de mourir pour ça. Tu vois, il donne un coup, je prends, je me mets comme ça, il me touche quand même. Ben non, justement non. Il y avait le petit machin, attention, on part. J'étais en mode parade. Fais pas chier, putain de fils de pute de jeu de merde. Pas croyable. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. Surtout que le combat était facile.
Allez, mais c'est là! Arrête de faire comme si c'était pas là! C'est là! Aigle de merde, vraiment! C'est trop bien comme pouvoir. Pas deux fois. Pas abusé du coup. Oh, c'est beau comme coffre. J'aime le truc légendaire. Quelle idée de se mettre là-haut. Oui, 4 tablettes. Excellent. Lieu explorer la déesse de l'arc d'or. Alors, là on a trouvé un autre. Alors, il est à même plus 500 de plus pour l'assassinat. Oh. Moins 40 par aptitude, ombre d'Onyx. Oh, ombre d'Onyx. Ah, c'est le l'aptitude tout en haut. Il faut être niveau 23 pour l'avoir. Dans 6 niveaux. Bon. En tout cas, on meurt souvent. Je trouve qu'on meurt énormément dans ce jeu. Et c'est souvent pas ma faute. C'est à chaque fois, par exemple. Quoique si. Je crois qu'il y a une bataille où c'était vraiment ma faute, où j'avais fait n'importe. Malice, gouvernement. Salut. Tu as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Mystios. J'ai une âme de poétesse, mais pas assez d'argent pour faire jouer mes œuvres. Mais quel drame. Il est tragique de ne pas pouvoir écrire sa propre tragédie, Mystios. De quoi as-tu besoin? Un peu de papyrus, Mystios, ou les moyens de m'en acheter. C'est bon à rien, de brigands possèdent les deux.
Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Tiens, prends. Non mais 10 minerais d'oricalque, c'est tellement, mais tellement mieux que 50 drachmes. Attends. Par exemple, j'en ai 7222. J'en avais 7272. Donc, mais l'oricalque, j'en avais que 14, maintenant j'en ai 24. Hein, c'est quasiment le double hein, de ce que j'avais. C'est incroyable. Ok, là on a prime sur navire spartiate. Ah. Je peux pas voir combien de drachmes je vais recevoir. Alors ça, c'est complètement expiré, mais tu vois ça, j'avais complètement oublié ça. Que je peux recevoir un max de trucs en éliminant des spartiates. Donc en gros, il faut que je fasse la guerre aux spartiates. Tuer des stratagos spartiates dans tout le monde grec. Tuer des dirigeants spartiates dans tout le monde grec. Tuer des brutes spartiates dans tout le monde grec. Tu vois, il faut que je tue un max de spartiates. Et là, il faut que je tue un max d'Athéniens, en fait. Alors, on va regarder la carte, parce que j'oublie hein, chaque fois ce que je veux faire. Ici... Oh, ici, on a un gouvernement spartiate qui est vulnérable. Pourtant... Ah bah si, c'était pas un peu moins? Ah bah non, parce que j'ai fait le... Non, focus, je l'avais rendu au spartiate, ensuite j'étais parti. Tu veux dire que ça bouge pendant que moi je... Trop bien. Bah en fait, c'est cool, parce que du coup, il y a des guerres qui se font, il y a les... Il y a un roulement, en fait, dans le truc, sans forcément que moi, j'intervienne. C'est pas mal. Par contre, du coup, si tu te dis, je veux que toutes les zones appartiennent à Sparte, ça va être hyper complexe, si ça bouge par soi-même. Du coup, là, ce qu'on va faire... Tu vois, gars, dirigeant non découvert... Attends, et si... C'est où le... Parce que je dois tuer des dirigeants aussi. C'est loin. Allez, on y va. Moi, j'avais lu un indice comme quoi si je l'appelle en courant que je monte dessus tout seul. D'accord, je m'en vais. Maison de la pitié. Ah oui, c'est vrai. Je suis venu, j'avais dégommé tout le monde. Je sais pas ce qu'il me veut, mais il était sur le chemin. La douleur va partir? Bah, tu sais, il faut que tu lui fasses peur. Si tu rugis comme un lion, elle s'enfuira. Très bien. Maintenant, rentre chez toi. Ce serait pas un peu con, tu dois certainement être médecin.
Oui, je m'appelle Lycaon. Tu dois être Mystios. Tu viens te faire soigner? Pas besoin. Ça dépend. Je vais devoir rugir, moi aussi. Parfois, le meilleur remède que je puisse proposer est une dose d'espoir. J'en conclus que tu n'as pas besoin de moi. J'ai une santé de cheval. Tu me parais en forme et capable de tout. À ce propos, mes patients ont besoin de Mandragore. Il en pousse près d'un ruisseau, au sud-est d'ici. Tu es trop occupé pour y aller? Trop appétissant, surtout. Une meute de loups vit près du ruisseau. Nécrate, je te paierai pour tes efforts. Tu sais parler aux Mystios, toi? Tu n'as besoin que de cette Mandragore? Pour l'instant, oui. Rapporte-la-moi et je la préparerai pour mes patients. Ensuite, nous verrons. Je vais te rapporter ces herbes. Tu dis que je vais les trouver au sud-est? Oui, près d'un ruisseau, au nord-est de Kira. Elles ne sont pas encore en fleurs, mais les feuilles sont d'un gris-vert caractéristique. Merci. Ok, c'est bon. Alors, je vais voir si j'arrive à trouver le dirigeant. Ensuite, je vais passer chercher ses feuilles. Ensuite, je vais aller faire la guerre. Et ensuite, bon, on verra. Attends. Si je cours et j'appelle. Je continue à courir. Oui, ça marche! Ah bah oui, il est vulnérable. On y va maintenant. Voilà. Donc 249 XP pour... C'est bien. Lycaon a dit que je suis un séjour près d'un ruisseau. Ah, j'aime pas les entendre crier comme ça. Les herbes que Lycaon m'a demandé. C'est la chasse, hein, au bout d'un moment. Avoir ramassé assez de mandragore. Il est temps de retourner voir ce médecin. Yes. Ah.
Allez. Ça a vachement bien marché cette fois. J'ai tourné en rond autour du cheval comme un teubé. Allez. Tiens, j'ai trouvé tes herbes. Merci. Je vais les préparer pour mes patients. Pourrais-tu attendre un moment? D'accord. Pourquoi j'attendrai? J'ai écrasé ces herbes, elles seront plus faciles à prendre. Pourrais-tu les apporter à mes patients? Oh, plus! J'ai l'air que c'est Lycaon qui t'envoie. Il me semblait avoir rapporté plus d'herbes que ça. J'en ai gardé une double dose pour ma grand-mère. Je la lui donnerai bientôt. D'accord. Bon, je vais porter le reste. Merci. Tous mes patients sont à la Cora de Delphes, ou à proximité. L'un sera aux enclos de bétail, à l'ouest. Un autre bâtit une maison à la bordure nord-est. Et la dernière travaille au champ, au sud. Reviens dès que tu auras terminé. Ne t'en fais pas, je vais les trouver. Je t'ai bien expliqué. Attends. On va commencer par là. C'est un peu une mission de merde, hein. Lycaon te salue. Oh, c'est le remède qu'il m'a promis. Merci. Dis-moi, comment était-il? Il ne m'a pas paru malade. Il se promène en marmonnant à toute heure du jour et de la nuit. Il a l'air inquiet. Je devrais lui apporter des douceurs. Ça lui ferait du bien. Je suis certaine qu'il en serait ravi. Des douceurs. Tant que la douceur ne s'appelle pas Tabith, ça va. Quoique, c'est un grec. Hein. Peut-être que c'est justement la douceur-là qui leur a envie. Hello. Lycaon m'envoie. Lycaon t'a préparé ce remède. Merci. Tu vois, je prends soin de ces bêtes. Et Lycaon prend soin de moi. Dommage qu'il n'ait personne pour veiller sur lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses parents sont morts très jeunes. Sa grand-mère l'a élevé, mais ensuite... Elle n'est pas née sous une bonne étoile, disons. Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Ça, je n'en doute pas. J'en suis sûr, je n'en doute pas, oui. Moi, le même. Bonjour. Lycaon t'offre ses herbes. Oh, merci. Ce médecin est si attentionné et si beau. Dommage qu'il ait choisi de ne pas se marier. Pourquoi ça? Oh, il prétend qu'il ne veut pas imposer ses tracas à une femme innocente. Je préférerais qu'il m'avoue franchement que je ne suis pas son genre. Je me demande pourquoi il dit ça. Elle s'est fait friendzoner en 400 avant Jésus-Christ. La première meuf friendzonée de l'histoire. Je ne veux pas imposer mes tracas à une femme innocente. Quelle excuse de merde. J'ai porté le remède à tout le monde. Apparemment, beaucoup de gens s'inquiètent pour toi. Merci. Je dois apporter le reste du remède à ma grand-mère, Praxitea. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à chez elle? Je crois que j'aurai besoin de ton aide. Oui, j'aimerais savoir ce qui se passe là-bas. Merci. Viens, la maison de ma grand-mère est par là. Merci de m'accompagner. Tu as tué beaucoup de gens. Pourquoi tu me demandes ça? Si quelqu'un fait preuve d'impiété au point de nuire aux gens autant que Dieu, tu penses qu'il mérite d'être puni? Praxitea a fait quelque chose? De fausses prophéties. Pendant des années, elle a menti à ceux qui venaient la voir. Ta grand-mère était oracle? Oui, sur la montagne, elle. Elle m'a avoué récemment n'avoir jamais entendu le Dieu. Elle avait seulement répété ce qu'on l'avait chargé de dire. Des gens mal intentionnés, forcément. Oui, tout à fait. Attends, c'est une montagne de telle. Ces paroles ont déclenché des guerres. Elle ne peut rester impunie. Ma famille à moi a été déchirée par une fausse prophétie. Si c'est l'une des siennes, je m'occuperai de cette affaire.
Moi, on m'a poussé d'une montagne. Hein, Après, est-ce que c'était une fausse prophétie? Non, pour moi, c'était pas une... Pour moi, c'était peut-être pas une fausse prophétie. Pour moi, c'est juste qu'ils ont vu qu'est-ce que je suis capable de faire et ils ont voulu me tuer. Attends, Lucaron. Enfin, je sais ils ont vu ce que Deimos était capable de faire. Tu ne seras qu'ajouter à la honte de notre famille. Je n'en ai pas envie, Agave. Mais au nom de la justice, Praxitea doit mourir. Ça ne relève plus de nous. Des hommes étranges sont venus au village aujourd'hui à sa recherche. Je les ai conduits ici et ils l'ont emmené. Ça me paraît curieux comme justice. Tu ne peux pas comprendre. C'était une vieille folle impie. Désormais, nous n'avons plus à nous en inquiéter. Et qui es-tu d'abord? Cassandra. J'ai été victime d'une fausse prophétie. C'était peut-être l'une de celles de votre grand-mère. Si on ne la retrouve pas, on ne pourra plus rien faire. Aide-moi à découvrir où on l'a emmenée. Je vais chercher des indices. Que voulais-tu que je fasse? Tu as parlé de la tuer. Une solution s'est présentée, alors je l'ai saisie. Praxitea a dû perdre ce bracelet en se débattant. Et un voleur ordinaire n'aurait pas laissé sur place un objet si précieux. Cela m'étonne qu'Apollon lui-même ne l'ait pas tué depuis longtemps. Il s'est passé quelque chose d'étrange par ici? Ah, tu tombes bien. Oui, quelque chose de très étrange. Des brigands dans la ferme de ma cousine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassée de chez elle. Elle ne peut plus rentrer. Ils ont installé un campement et ils sont armés et dangereux. Intéressant, ça. Où est-ce qu'elle habite? Pas très loin, à l'ouest. Mais si j'étais toi, je me méfierais de ces brigands. Merci du conseil. J'ai entendu un jeune. Il manque un truc, mais je le vois pas. Mais c'est ça, Kiss. Ah, yes, là. Ça ressemble à un contrat. Apportez le paquet à l'endroit convenu et sans l'abîmer. S'il s'agit de la grand-mère de Lycaon, elle devrait être en vie. Praxitea a été enlevée et conduite dans une ferme à l'ouest. Les bandits ont reçu l'ordre de l'amener vivante. Merci d'avoir enquêté pour moi, Cassandra. Je ne suis pas stupide, Lycaon. Ta sœur a mis Praxitea en grand danger. Et tu m'as demandé si j'avais déjà tué quelqu'un. Tu veux que je mette fin à ses jours? Non. Il faut que ce soit moi. Je dois la tuer. C'est ta grand-mère. Et tu n'as rien d'un meurtrier. Tu devrais y réfléchir. C'est ma responsabilité, je ne veux pas qu'elle souffre. C'est pour ça que je t'ai demandé de la mandragore. Ça étouffe la douleur. Mais pour l'instant, tu veux bien aller à la ferme t'occuper de ces bandits? Je pense qu'ils sont trop nombreux pour moi. Certainement. Allons chercher Praxitea. Merci, Cassandra. Tu dis que la ferme se trouve à l'ouest, je te retrouve là-bas. Yes. C'est une suite de quêtes, carrément. Hein. Moi, je pensais, allez, on va faire une petite quête vite fait, nommée...
Non. Après, c'est ce qui est pratique quand t'as déjà fait tout le continent. Allez, Phobos. Yes, ça a marché. Désolé. On va couper par ici parce que le temps que mon cheval arrive et que je saute dessus, j'avais fait déjà 100 mètres dans la mauvaise direction. Allez, mais monte là-dessus, jeune cheval. Allez. Je dois rester caché. Alors. C'est la ferme où Praxitea est retenue prisonnière. Bien l'exécution. Ok, bon, il n'y a que lui qui m'a regardé. En fait, moi, à la base, je voulais grimper sur le truc du puits et le défoncer d'en haut. Mais ça a quelque peu foiré. Merci, mon enfant. Nous devons partir maintenant. D'autres brigands pourraient venir, non? Je t'en prie, partons d'ici. Il y en a un qui court de...
Allez. Merci de m'avoir sauvé, mon enfant. Ne me remercie pas, voix d'Apollon. Mais peut-être répétais-tu les mots de quelqu'un d'autre. Ah, tu as rencontré mon petit-fils. C'est vrai, j'ai menti à tous, et je le regrette. Les dieux auraient déjà dû me tuer, mais ils ont préféré m'étouffer de remords. Pourquoi avoir menti de la sorte? Les gens te faisaient confiance, tu étais censé délivrer les paroles d'Apollon. Je ne le voulais pas. Pas quand j'ai été choisie pour être l'oracle d'Apollon. Mais là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je devais répéter leurs paroles. Sinon, ma famille aurait à en souffrir. Ta famille? Tu te rappelles avoir dit à une famille spartiate que son plus jeune enfant devait mourir? À une mère éplorée, qui avait mes yeux? Je pleure avec toi tout ce que tu as perdu. Qui t'a fait enlever? Ces brutes n'en ont pas eu l'idée tout seuls. Ne me demande pas ça! Ceux qui veulent aujourd'hui me punir et qui me soufflaient autrefois ce que je devais dire, ils t'enterreraient vivante si je te parlais d'eux. Ceux qui portent des masques et de sombres capes? Le culte de Cosmos? Ne prononce pas ce nom! Grand-mère. Elle t'a parlé? C'est bien elle qui a apporté le malheur à ta famille? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte mon châtiment. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon petit-fils me tuer. Lycaon est un homme bon, un guérisseur, ça le briserait. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi de la tuer. Et c'est moi qui vais devoir. J'ai tué trop de gens pour savoir que la violence ne mène à rien. Mieux vaut aller de l'avant et vivre le mieux possible la vie que vous accordent les dieux. Aller de l'avant? Mais Praxitéa a fait tant de mal à ta famille. Elle ne peut plus en faire. La tuer par vengeance ne changera rien au passé. Et n'est-ce pas toi qui parlais des bienfaits de l'espoir? Merci de ta clémence. Je te promets de faire le bien pendant le temps qu'il me reste. Tu as raison, Cassandra. Je ne pourrais peut-être pas pardonner à ma grand-mère. Pas tout de suite. Mais elle peut poursuivre sa vie, et moi la mienne. C'est la bonne décision, Lycaon, crois-moi. Comment t'y prends-tu? Pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir? Et toi, comment fais-tu, Lycaon? Toutes ces vies qui dépendent de toi, de tes soins et de ta bonté. Je crois que j'ai besoin de toi, Cassandra. Pas pour tuer, ni pour trouver quelque chose, mais... reste avec moi. Je ne peux pas rester longtemps, mais je vais prendre soin de toi, guérisseur. C'est le deuxième mec que je me tape, et la troisième personne. Il y a eu la vieille, le forgeron dégueulasse, et le guérisseur fou. Bon, ça c'est fait. Oh non, dis-moi pas qu'il n'y a plus de guerre possible. Ah si. J'ai peur. Donc, on est... on va être athénien, hein, sur le coup. Étant donné que... étant donné, ben, c'est ça qu'on veut, c'est le plus de récompenses possible. Excellent. Hop. Ah.
Ça va. Ouais, c'est le sanglier, il m'a pas suivi longtemps. Allez. Les Spartiates sont forts. Mais je t'ai raconté la fois où j'en ai fait ça. Toi, tu as l'air de savoir te servir d'une lame. C'est nous ça. Allons lancer une attaque sur les frontières spartiates et nous avons besoin de toute l'aide possible, notamment la tienne. Le mec, il est trop jouasse. Je combattrai pour Athènes aujourd'hui. Alors tu combattras avec honneur. Allons apprendre la douleur à ces spartiates. Exactement. Mais c'est quand même incroyable que les Athéniens, ils sont tout le temps tellement en joie. Oui, on va les défoncer. Yeah, come on, c'est parti mon kiki. Alors que les spartiates, ils sont là. Ça te plaît un peu petite. Mais bon, ce serait quand même bien que tu nous aides. Allez, je dois tuer les lourdingues. Ah merde. Non, je veux le tuer lui d'abord. Merci. Non, toi je veux pas te tuer. Où le... Ah, il est là-bas. Excusez-moi. Non, c'est toi. Ah! Il y a un capitaine. Ah! Le moment chiant. Je vais démontrer comme un porc. Voilà, ça déjà, ça m'énerve. D'accord. J'ai pas vu qui faisait ça. Aïe, aïe, mais... Allez, nous devons nous retrouver. Ah. Come on.
Ah merde. Ah non. Ah merde, putain. Ah mais non. Je suis en train de perdre la bataille parce que ce combat dure beaucoup trop longtemps. Oh oh. Excuse-moi. Ah ça j'aime pas. Tu vois, ça c'est chiant. Et c'est pour ça que c'est chiant d'avoir plusieurs. T'es mort. Allez, voilà. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Riposte. Prochain chef, j'ai besoin d'un chef. Pourquoi ça change? Pourquoi ça a changé? Mais... Mais arrête de changer tout le temps de... Suffira pas. Non, c'est la fin. J'ai jamais perdu une bataille d'ailleurs.
Ah, j'ai très peu de... Par contre, tu vois, nombre capitaine, soldats tués, tout ça, c'était ok, et pourtant, incroyable. C'est la première fois que je perds une bataille, c'est terrible. Ah, c'est terrible, je me sens pas bien. Je me sens pas bien d'avoir perdu cette bataille. Putain. On va quand même regarder qu'est-ce qu'on a reçu. En fait, c'est de la merde. Ça a le même niveau. Mais je perds juste. Par contre, je n'ai pas fait gaffe. Ah, c'est juste... Ouais, bon, non. C'est quand même mieux ce que j'ai trouvé là à l'instant. Oui, tout ce qui est pas épique est... Oh. Alors, assassin, chasseur... Ouais, allez, hop. On va prendre ça, on va dégager ça. Non, non, on veut quand même rester sur une base épique. Et là, on a juste tué... Daniel, le tacticien. Voilà. Ah, mais ça m'embête quand même d'avoir perdu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao !